Monté sur le même châssis, donc possédant les mêmes caractéristiques, l'obusier sous casemate, le véhicule de combat d'infanterie transportant 12 hommes. La pratique du sport est aussi un exercice nécessaire pour habituer l'homme à faire face à la peur. Mais la force de l'infanterie, c'est l'homme qui seul peut mener le combat en permanence, quelles que soient les conditions, de jour comme de nuit, dans les montagnes, les forêts, les localités et sous tous les climats. L'homme qui passe toujours, même là où le véhicule a dormancé. Cependant, le fantassin demeure le combattant des 300 derniers mètres. Quel que soit son rang, il n'aura jamais qu'un cerveau, des nerfs, une volonté d'entendre.